Salut à tous, c'est Bryce. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Fortnite. On va parler de la grosse mise à jour qui est en cours avec, comme d'habitude, des nouveaux skins. On a des nouveaux leaks sur l'événement qui va arriver à la fin de la saison. Le partenariat avec Fall Guys qui va arriver. Donc les mini-jeux et les skins. Je vais vous mettre des images, vous allez voir. Ça va être assez spécial. Je pense pas qu'on puisse les jouer du coup sur le mode Battle Royale. Ou alors ça serait un peu un handicap entre guillemets. Mais en tout cas, grosse mise à jour aujourd'hui. Juste avant de commencer, de vous présenter tout ça, je vous demande un petit service. N'hésitez pas à venir vous abonner sur le TikTok que je vous mets dans la description. Il y a beaucoup de clips qui vont arriver, notamment sur GTA. On va commencer tout doucement avec les mods que j'ai déjà présentés. Et par la suite, il y a un très gros projet qui va arriver. Je pense que vous allez kiffer. Donc si jamais vous voulez soutenir la chaîne, montrer que vous êtes encore là, n'hésitez pas à venir vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça va soutenir énormément. Et du coup, comme d'habitude, n'oubliez pas aussi le petit like sur la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code BAYSANKAD à la boutique, ça fait super plaisir. Donc pour commencer, on va revoir rapidement l'annonce surprise qu'on a eue hier, le partenariat entre Fortnite et Tesla, avec l'arrivée du Cybertruck que je vous mets ici en image. Je vous mets aussi rapidement le petit trailer et on passera à autre chose. Vrai, l'ajout d'un véhicule comme ça, je trouve que c'est plutôt fun entre guillemets, mais c'est pas vraiment ça qui va changer le gameplay ou le jeu. Donc le Cybertruck qui va bientôt arriver et Fortnite qui nous présente encore une fois un petit trailer, petit teaser avec une qualité folle. Franchement, ils sont vraiment améliorés dans ce domaine. C'est un truc de fou. Ensuite, on va parler du coup des prochains skins. Je vais vous les présenter rapidement et ensuite on fera une petite pause où je vous montre tous les skins dans le casier. Donc tout d'abord, un pack qui va arriver avec Deadpool et Wolverine. Donc Deadpool qu'on connaît déjà sur le jeu, à voir si c'est un pack un peu différent. En tout cas, le skin Wolverine, le vrai, il est vachement stylé. Donc on a ici Wolverine avec le skin, les pioches, je pense le sac à dos et un revêtement pour les armes. Et ici, le pack de Deadpool avec les doubles sabres pour les pioches, ou je pense peut-être plutôt le sac à dos. Le sac, ça sera du coup à mon avis la tête qui est ici en bas à droite et le revêtement pour les armes. Sachant que le skin est déjà disponible sur le jeu, à voir comment ça va se passer. Ensuite, autre collaboration avec Fortnite, c'est Adidas qui rejoint Fortnite avec pas mal de skins. Vous allez voir tous les skins que je vous présente dans le casier, il y en a beaucoup. Bon, simplement le petit skin Fortnite avec les habits Adidas ou alors vraiment des skins un peu plus what the fuck. Et au niveau du prix, si vous prenez tous les skins, donc le gros pack, ça sera 2500 V-Bucks au lieu de 7500. Donc grosse réduction au niveau du prix du pack. Ensuite, on a un nouveau pack de quêtes qui sera disponible avec ce skin que je vous mets à l'écran. Et alors c'est pas le dernier skin puisqu'il y en a qui ont été trouvés dans les dossiers du jeu, mais on ne peut pas vous les présenter encore pour l'instant. C'est ce skin, franchement, avec un petit effet galaxie. Franchement, je le trouve magnifique. Donc pour bien vous les présenter, je vais vous montrer les skins qu'on peut vous présenter du coup dans le casier pour l'instant. On a ce skin du coup Starborn Sorina. On a aussi les skins Adidas, les skins du coup pour le pack des quêtes. Par contre, le skin Wolverine et Deadpool ne sont pas encore accessibles.
Ensuite, pour l'événement de la fin de saison, on a trouvé dans les dossiers du jeu la structure qui va se construire au fur et à mesure. Donc on peut voir ici l'étape 1. Ensuite, l'étape 2 avec le bâtiment qui se rajoute. Et l'étape 3, donc toute la structure finie pour l'événement. Il y a aussi un petit clip que je vais vous mettre ici à l'écran. On voit que dès que tout sera complet, on va avoir une espèce de lueur jaune passée dans les tubes. Et ensuite, pour l'instant en tout cas, pas plus de détails. Mais normalement, on aura un petit event du coup à la fin de la saison. Et ça fait plaisir. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tout ça vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de ce qui va arriver par la suite. Et moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde.